Salut à tous. Donc on se retrouve une nouvelle fois pour une petite pêche de nuit en rivière. Je suis venu sur la même rivière que la dernière fois, au même poste aussi. Aujourd'hui il y avait beaucoup de monde, beaucoup de pêcheurs, donc c'est le seul poste qui restait. Donc voilà, je me suis mis là. Pour la météo, il y avait encore 27 degrés aujourd'hui, très chaud. Les pressions sont plutôt bonnes, elles sont à 1010 et elles sont en train de descendre parce que demain ils n'ont pas annoncé du beau temps. Donc on va voir ce que ça va donner cette nuit, si ça permet de faire du poisson ou pas. Pour l'amorçage, bon bah j'ai utilisé le même amorçage que la dernière fois, amorçage à la graine, au pelet et à la bouillette maison, en petite quantité bien sûr. Pour les bouillettes, bon bah j'ai changé. Cette semaine, j'ai décidé de rouler des nouvelles bouillettes. Là, c'est chocolat orange. Donc, on va voir ce que ça donne. C'est la première fois que je les roule. C'est la première fois que je les utilise. Donc, si je fais du poisson avec et que ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo de la recette. Donc, voilà. Sinon, si je fais pas de poisson, on restera une autre fois et puis on verra ce que ça donne. Par contre, niveau montage, je vous en ai pas parlé la dernière fois dans la vidéo. Mais je suis revenu au montage où j'ai commencé à pêcher sur cette rivière qui m'a permis de faire pas mal de poissons. Avant, je pêchais en bonhomme de neige avec de la tresse gainée. Mais là, j'ai tout changé, je suis repassé en montage rigide en nylon. Donc voilà. Le montage que j'utilise, c'est le montage Stiff Rig. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. On regarderait sur internet, c'est un montage rigide, donc voilà, et c'est très très efficace sur les poissons de rivière, les poissons méfiants. Donc vous regarderez tout ça. C'est un des montages que quand j'ai commencé à pêcher, j'utilisais. Après, je suis passé, j'ai changé, et là, je suis revenu à ce montage. Donc on va voir. La dernière fois, c'est le montage que j'avais utilisé pour quand j'ai pris le poisson. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner cette nuit. Dans la vidéo, vous verrez quand je pose mes montages avec le bateau amorceur. Au niveau de... Quand c'est le moment de larguer la ligne, vous verrez que je tiens mon fil. C'est en fait, c'est juste pour bien sentir le fond. Quand le plomb, je tiens mon fil comme ça, la bannière se tend bien. Et le plomb touche bien le fond, et ça me permet de sentir si je suis pas pris dans quelque chose ou... Donc l'autre fois j'avais fait ça et pour le moment j'en suis content. Il y a une canne la dernière fois que je chantais pas, et au final j'étais pris dans une branche quand je l'ai relevée. Et heureusement, parce que sinon elle aurait pas pêché de la nuit. C'est celle qui a démarré au matin justement, donc là j'ai refait la même chose et puis je trouve que c'est très pratique. Bon bah avec la télécommande c'est pas évident, mais bon, moi j'ai un bouton à tourner pour larguer, donc c'est moins évident que ceux qui ont un bouton à pousser, donc c'est plus facile je pense. Bon, j'y arrive quand même, c'est le principal. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner cette nuit. Si je fais du poisson, bon bah je vous reprends, et puis sinon on fera le bilan demain matin au réveil. Donc voilà, bon allez, je vous dis à plus.
Et voilà les amis, je vous présente un beau poisson de rivière pris à l'instant. Une belle commune sauvage, pris avec des bouillettes maison au chocolat orange. Donc voilà, ça fait super plaisir. Allez, on va les remettre à l'eau. Donc les amis, la pêche touche à sa fin là. Je vais pas tarder à plier. Il est 7h du matin. Donc on fait un petit bilan vite fait de cette nuit qui a été très très calme. J'ai eu quelques bips sur une canne, mais c'est pas parti, ça m'a fait un retour. Donc j'ai laissé tendu pour la nuit. J'ai dit on verra bien ce que ça donnera, heureusement, parce que du coup c'est la canne qui est partie ce matin à 6h. Donc voilà. Après je suis très content de tout ce que j'ai mis en place. Que ce soit l'amorçage, les montages. Je suis revenu au basique. Et au final c'est très bien. Parce que des fois. On se perd, on part à droite, à gauche, et au final on oublie la base. Donc là je me suis remis en question, je suis revenu à mes débuts et au final ça paye. Donc maintenant on va rester comme ça et puis on va rouler de nouvelles recettes de billes. On va réessayer celle-ci parce qu'il ne faut pas s'arrêter parce qu'on pêche un poisson avec, on en pêchera tout le temps, donc il faut l'essayer plusieurs fois. Donc voilà. Après s'il y en a que ça intéresse, s'il y en a des fois la recette s'intéresse, on pourra me le dire dans les commentaires. Je ferai une petite vidéo de la recette. Sinon je ferai pas de vidéo, ça sert à rien. Si ça intéresse personne. Donc voilà. Bon bah on reviendra, je sais pas si je reviendrai ce mois-ci ou si je reviendrai le mois prochain. On verra ça. En tout cas ça fait plaisir de ressortir du poisson. Ça fait un moment que j'en avais pas sorti, donc là ça fait vraiment plaisir. Donc voilà. Bon bah je vous dis à une prochaine fois.